Hey, salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et oui, en effet, ça fait bien longtemps que je n'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne, la dernière étant mon test de Terminator sur Xbox One, hein, le dernier jeu Terminator en date. Et donc c'est vrai que cette vidéo-là, elle date bien de 2 mois maintenant. Donc depuis, j'ai pas refait de vidéo. Et donc là, maintenant, la vidéo d'aujourd'hui. Donc, écoutez, ça me tient à cœur parce que j'ai pu dégoter récemment la manette Xbox One en édition limitée du jeu Cyberpunk 2077. Voilà. Donc il y a encore un petit peu de stock. Vous pouvez trouver la manette assez facilement sur xbox.fr, xbox.com. Voilà, donc après je crois qu'on peut aussi l'avoir éventuellement sur Cdiscount et sur la Fnac. Après je crois que Amazon est en rupture parce qu'en fait vous avez des vendeurs qui l'ont acheté et bien sûr revendent la manette à prix fou. Donc moi la dernière fois que j'ai regardé sur Amazon.fr, j'ai vu une manette à 150 euros à peu près. Voilà, alors qu'elle est au prix officiel de 69,99 €. Moi, bien sûr, je l'ai eu un petit peu moins cher parce que, comme vous le savez, les fans Xbox, on peut avoir des cartes de fidélité. Il y a une fidélisation de clientèle assez importante chez Microsoft, ne serait-ce qu'en jouant au jeu, tout simplement. Voilà, en jouant au jeu, en faisant les quêtes de l'abonnement Game Pass, etc., en débloquant donc les succès des jeux, etc. Et même en achetant, bien sûr, même 1 € dépensé, ça vous fait, je crois, égal à 20 points Microsoft Rewards, donc les points de fidélité. Donc voilà, j'ai quand même eu, à 60 euros, je crois, je sais plus. J'avais plusieurs euros de réduction dessus. Voilà, j'aurais bien voulu l'avoir moins cher, mais j'avais pas assez de points. Mais par contre, c'est vrai que vous pouvez, il me semble, vous faire des cartes cadeaux de 5, 10 et 25 euros. Si je dis pas de bêtises, donc je vous en parle parce que c'est comme assez important, je trouve, pour ceux qui sont par exemple pas trop dématérialisés, du coup vous vous dites, vous gagnez des points assez facilement et les trois quarts du temps gratuitement. Et le truc qui est vachement bien, c'est que finalement ça vous permet d'acheter aussi bien des season pass, des DLC et des jeux en dématérialisé avec vos points, sans forcément dépenser de l'argent à côté du vrai argent. Donc voilà, petite parenthèse, oblige, ça me semblait important de signaler ce genre de détails. Donc là, cette manette est donc à l'effigie de Johnny Silverhand, donc interprété par Keanu Reeves, donc qui aura a priori un rôle, plus ou moins important, après je sais pas, dans le jeu Cyberpunk. Voilà, qui devrait normalement sortir, si tout va bien, le 17 septembre 2020. Oui, tout va bien, hein, parce que je veux pas donner de détails, mais le monde est un petit peu en péril en ce moment, hein, on se demande pourquoi. Et donc voilà. Donc le jeu avait été repoussé, je crois. Il devait sortir, je crois, en avril, si je dis pas trop de bêtises. Et si je me trompe, c'est pas bien grave, hein. De toute façon, je pense que les fans de CD Projekt, qui sont aussi les développeurs d'ailleurs de The Witcher, en passant, voilà, et qui attendent Cyberpunk de pied ferme, je pense que vous en savez encore plus que moi. Donc moi j'ai carrément craqué donc sur la manette, hein, que j'avais déjà vu en unboxing chez Jeux Actu. Bon voilà, je leur fais de la publicité, pourquoi pas, hein, parce que de toute façon, vu le million de vues qui se font, je pense que tout le monde a déjà vu la manette. Donc Maxime Chao avait déjà présenté la manette, et moi je vais vous la présenter à mon tour. Donc déjà une belle boîte magnifique. Bon, puis en même temps, quitte à faire la publicité pour des rédacteurs de jeux, je préfère Jeux Actu. C'est peut-être les plus intelligents de la toile. Et là, tiens, comme ça s'est dit ça. Donc voilà, donc un petit coup de cutter quand même, sans abîmer la boîte bien sûr. Donc là, on a une petite pastille. Je crois qu'on va pouvoir me voir faire. On va faire ça comme ça.
Voilà, on va passer un petit coup de cutter tranquillement et ça passe tout seul comme une lettre à la poste. Donc là, on va pouvoir ouvrir ici normalement. Alors, voyons voir. Tac, ça c'est parfait. Et voilà. Et voilà comme c'est beau. Et voilà son bel écran. Où il y a d'ailleurs caché deux piles, comme toujours. Ah, d'ailleurs, petit détail que j'aimerais vous signaler, mais je pense que tout le monde le sait. Hein, voilà. Déjà, tout le monde sait qu'il n'y a que Xbox qui propose de mettre des piles ou des batteries amovibles dans leur manette Xbox. Hein, voilà. Ils vont continuer à le faire. Voilà, sur la Xbox Series X, ils vont continuer à proposer des manettes avec des piles et bien sûr batteries amovibles. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial. C'est une chose bah, qu'on avait déjà connue à l'époque sur 360 et qui finalement continue sur Xbox One. Et puis bien sûr la Xbox Series X qui devrait sortir soit fin de l'année ou l'année prochaine. Tout comme la PlayStation 5 d'ailleurs en passant. Voilà, voilà. Donc, regardez-moi cette manette comme elle est sublime. Avec ses deux gris métallisés. Là, écrit au laser, No Future. No Future. Ah, j'ai craqué aussi pour le côté rouge en fait de l'intérieur du stick analogue. Les boutons, pareil, écrit en rouge. J'ai craqué aussi pour cette teinte rouge qu'il y a en plus, qui donne à la fois la manette est sobre et puis à la fois bah, finalement pas trop flash. J'aime beaucoup cette variante de couleurs. Donc la gâchette donc LT et le bouton LP si je me trompe pas. Qui est rouge, l'intérieur du stick analogue gauche. Donc bien sûr, c'est de la manette Xbox One, j'ai envie de vous dire, standard, quoi, je veux dire. Bon, on a quand même des grips à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt sympa, ce qui fait que du coup, bah, les doigts ne glissent pas en dessous, ça c'est génial. On a le logo hein, de Cyberpunk derrière le cache-pile. Cache-pile qu'on peut enlever tout aussi facilement que les autres manettes Xbox One. Voilà, voilou. Hein. On va d'ailleurs le poser à côté là. Donc après, on a bien sûr un espèce de code flash, je crois, qu'on peut scanner. Oui, c'est ça. Ce code-là que vous avez en dessous le cache-pile, si vous avez un smartphone. Vous pouvez, ce qui n'est pas mon cas, mais bon, ça à la rigueur, on s'en fout. Si vous avez un smartphone, vous pouvez donc en fait flasher le code et ça vous emmène directement en fait sur le site internet où vous retrouvez la page, bah, peut-être pas de la manette, mais du jeu. Voilà, la page du jeu. Voilà, si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. En tout cas, c'est plutôt sympa, je trouve. Donc, on a des petites indications, bien sûr, qui font référence au jeu. Par-ci et là. Arasaka, en espérant que je prononce bien, je sais plus c'est le nom du quartier, de la ville et tout. Donc c'est sympa parce qu'on a des endroits où on a l'impression que la manette a été un petit peu abîmée, ce côté comme ça, métal, un petit peu usé, tout ça. Je trouve ça super bien foutu. Super bien foutu, c'est une manette qui est vraiment magnifique. Et comme je vous le dis, bon bah voilà, après les. Elle est pas différente, c'est pas une manette élite hein, par exemple, hein, je tiens quand même à le préciser hein, parce que voilà, c'est une manette Xbox One standard quoi, voilà. Comme ben tenez, rappelez-vous l'époque où je vous avais fait un unboxing sur la collector Gears 4 hein, voilà. Donc pareil, c'était de la manette classique qui d'ailleurs à l'époque pareil comment on appelle ça, ben, tenez les griffes là. Les griffes ont été aussi faites au laser. Donc c'est vraiment une très très belle habitude de la part de Microsoft de proposer ce genre de design et de petites décorations. Ça donne un plus.
Leurs manettes sont toujours originales. C'est vraiment génial. C'est moi personnellement, j'avoue que je sais pas pourquoi, mais je me suis mis à collectionner un tout petit peu comme ça les manettes. J'en ai pas des tonnes, hein. J'ai donc celle-ci que je vous montre. La console rouge du coup Collector Gears 4. Donc ça c'est ma deuxième manette, hein, parce qu'il y avait déjà une première manette avec la console. Et puis sinon j'ai une autre Xbox blanche avec sa manette qui lui est propre. Mais voilà, sinon après j'ai pas d'autres manettes. Je sais que j'aurais voulu me récupérer la manette grise et bleue. Qui était une autre variante de Gears 4, mais j'ai pas réussi à la retrouver. Elle coûte une fortune. Donc ça peut être un jour si j'ai de la chance. D'occasion peut-être si elle est en bon état et pas trop chère. Mais sinon voilà. Cette manette, voilà. Je la voulais absolument, je la trouvais sublime. Et je vais bien entendu quand même jouer avec, mais pas trop, hein, pour pas l'abîmer. Parce que j'estime que, comme tout collector, quand même, faut quand même s'en servir. Hein. Trop laisser, enfin, je veux dire, ne pas y toucher, je trouve ça un petit peu absurde quand même. Il suffit tout simplement d'en prendre soin, d'être minutieux, d'être soigneux, et puis c'est tout. Voilà. Et puis passer un petit coup de chiffon doux entre les boutons, etc. C'est toujours très important pour éviter que, faites comme moi, éviter que ça s'encrasse et puis qu'après que la manette s'abîme au fur et à mesure. C'est solide. C'est solide. Mais il faut en prendre soin. Voilà, donc excusez-moi pour cette petite parenthèse. Donc du coup, voilà, je vous remontre une nouvelle fois cette manette qui est magnifique. Voilà, avec des variantes à la fois donc gris clair, foncé et rouge. Le cache-pile qui est fort sympathique. Voilà. Puis c'est à peu près tout. Après pour ce qui est de la boîte, il n'y a rien de spécial à montrer. Hein. De toute façon, la boîte couleur assez flashy. Du coup, bon bah il y a toujours le vert Microsoft. Là, on a un gris foncé noir sur le côté. Jaune flashy, qui est pas forcément pour me plaire parce que je suis pas fan du jaune. Mais après pour le côté cyberpunk, pourquoi pas. On retrouve derrière la photo de la manette avec le logo du jeu, bien sûr. Voilà. Johnny Silver Hand, hein, bien sûr, interprété par Keanu Reeves. Encore une fois, voilà. Donc c'est quand même une belle boîte. Belle boîte où vous pourrez ranger votre manette, bien entendu, si vous ne voulez pas l'utiliser, ce qui me semble logique. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo, s'il vous plaît. Commentez-la, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche aussi, parce que s'abonner, c'est très bien. Mais si vous cliquez pas sur la cloche, vous recevrez jamais les notifications de la chaîne. Voilà, je suis content de faire mon retour sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. Prenez soin de vous. Et évitez de vous coller aux gens. Allez, salut.